De retour à On jase avec Pélo, voici Bobino et Bobinette. Bonjour, Valérie Lumet. Bonjour, M. Pélo. J'ai mis le chapeau parce que là, le coco est en train de changer de couleur. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est mais vrai. On s'en plaindra pas. On est à l'extérieur. Interdit. Il fait beau, le printemps est arrivé. On parle de quoi aujourd'hui exactement? Alors aujourd'hui, on parle de crise d'émotions d'enfants. Comment les aider à s'apaiser? Comment aider les parents à comprendre aussi ces crises-là? D'abord, je vous dirais que moi, les premières crises de mon bébé, j'étais un petit peu dépourvue, je vous le cacherai pas. À 12 mois, quand l'enfant s'exprime, il s'exprime en tabarouette. C'était très intense. Et là, je me suis dit, oh, attends un petit peu, est-ce que j'ai des outils, moi, pour aider mon enfant? Est-ce que moi, je comprends qu'est-ce qui se passe? J'ai comme envie de le punir comme un peu à l'ancienne puis de dire non, parce que c'est comme ça qu'on m'a montré à faire. Mais attention, évidemment, mon nouveau dada, les cerveaux des enfants. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne le principe de base des cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit. Alors, jusqu'à 7 ans, imaginez-vous donc que les enfants ne contrôlent pas du tout leurs émotions, ils ne savent pas comment les gérer, ils sont en plein développement. Alors, cerveau droit, je pense que ça, je ne vous l'apprendrai pas, c'est les émotions. Comment ça se passe? C'est vraiment le ressenti, la gestuelle, le non-verbal, les expressions faciales. Le cerveau gauche, on est vraiment dans la logique. Alors, on est dans les mots, on est dans le concret, l'organisation, le cerveau gauche adore faire des listes. J'ai comme l'impression que ce cerveau-là, moi, il n'est pas assez développé. Alors donc, le droit, c'est lui, oui. J'en fais des listes pas mal, oui. C'est l'affaire de gars, ça. Oui, sûrement. Vraiment. Ouais. Et là, comment ça fonctionne? C'est que jusqu'à 3 ans surtout, et jusqu'à 7 ans, donc, c'est le cerveau droit chez l'enfant qui domine. Alors, quand votre enfant fait des petites crises, etc., bien, dites-vous qu'il est en plein développement et qu'il ne faut pas le punir. Maintenant, je vais vous donner 2 trucs. Oui, comment qu'on fait pour les apaiser, vraiment, justement, cet état de crise-là? Oui, comment on fait pour maîtriser ça, ouais, se maîtriser en tant que parent. Alors, voici une des premières clés que je vous présente grâce à ce merveilleux livre, Le cerveau de votre enfant, de Dr. Daniel Siegel et de Tina Payne Bryson. C'est vraiment un livre excellent qui est vraiment facile à lire. Alors, la première chose à faire, se connecter de notre cerveau droit à celui de notre enfant et le rediriger vers le cerveau gauche. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est qu'il ne sait pas. Imaginez donc une situation dans laquelle un enfant, il est fatigué, il arrive à côté de vous, puis là, moi, la maman, je t'aime plus, puis toi, t'es pas gentil, puis moi, j'aime pas ça faire mes devoirs, puis il est en crise. Ça arrive, ça. Ça arrive. Ben oui. Ça arrive quotidiennement. Et là, il est fatigué, il dit n'importe quoi. L'envie nous prend de dire, hey, c'est pas très gentil qu'est-ce que tu dis. Et c'est... On a envie de dire ça en tant qu'adulte. Mais là, faut que tu te calmes. Il faut se maîtriser. Et penser autre chose. Ben oui. Ben oui. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, notre cerveau droit, on va le connecter à celui de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va rester dans le ressenti. On va apprivoiser l'enfant, on va se descendre à son niveau. Tout doucement, on va le regarder dans les yeux. On va lui flatter le dos. On va lui placoter des petits mots doux jusqu'à temps qu'il maîtrise son cerveau droit. Et là, whoop, on va l'amener vers le gauche une fois que l'enfant est très calme. Qu'on l'a apaisé. Et là, on peut lui poser des questions logiques. Comment ça se fait que tu dis ça, mon bel amour, aujourd'hui? Comment tu te sens? Dis à maman, OK, mais écoute, maman est toujours là pour toi. Et maman, elle t'aime vraiment toujours, toujours. Et là, on peut lui dire des mots qui vont tendre vers la logique. Ça, c'est se connecter et rediriger. Le deuxième truc maintenant, c'est tout simplement de laisser l'enfant raconter son histoire. Ça veut dire quoi? C'est vrai, c'est pas bête. Bien, c'est le même aussi pour les femmes. Je ben vous donne oui. un cue à la maison pour les hommes. Dans le fond, l'enfant fait une crise, il se sent pas bien, il dit toutes sortes de choses. Et là, vous vous appuyez tout doucement, tu sais, à son niveau. Et là, vous lui dites, raconte à maman, qu'est-ce que tu vis? Comment tu te sens? Et là, l'enfant, dans ses mots d'enfant, va vous dire toutes sortes de choses. Mais pendant qu'il vous raconte son histoire, il est en train d'utiliser son cerveau gauche. Et là, il va mettre de l'ordre dans ses émotions. Voyez-vous? Hey, et là, pas bête, ben oui, et ça va le calmer. Tout ça est vraiment dans ce livre-là. Et il va être content de le faire à maman. Ben imaginez à long terme qu'est-ce qu'on implante comme dans le cerveau de notre enfant. Plus tard, il va se donner droit à vivre ses émotions. Il va se donner droit à être tout court. Maintenant, moi, j'ai 2 livres à vous proposer ici que moi, j'ai eu en cadeau. La couleur, pardon, des émotions. Et nous, on a même eu un bonus parce que les cousines ont fait ça à la main. On a eu
eu droit aux marionnettes qui viennent avec ça. Donc, dans ce livre-là, on apprend vraiment à l'enfant à nommer chacune de ses émotions. Et là, moi, avec mon petit bout de chou de 2 ans, on est assis sur le divan, on lit ça. Et là, il est là, regarde, maman, la joie! Regarde, maman, l'amour! Et là, maman, elle regarde, il est fâché, il est en colère. Puis là, tu sais, il nomme ça, et ça lui permet, lui, de nommer ses propres émotions. Celui-là, un petit peu pour les un petit peu plus grands, peut-être en partir de 4-5 ans, les émotions s'accahutent un peu, beaucoup, énormément. C'est des mises en situation où que l'enfant voit vraiment comment ça fonctionne, les émotions, et vraiment les nommer. Parce que lorsqu'on apprend aux enfants à nommer leurs émotions, imaginez-vous donc comment ils se calment de plus en plus vite en grandissant. Il ne fera pas des crises jusqu'à 18 ans. Il va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit. C'est une sensation totalement merveilleuse pour un être humain. Bobino Pello est en quoi, lui, tantôt, en joie? Là, vous êtes en pleine joie totale. Oh, merveilleux! Parce que vous m'avez comme invité. Et Bobinette Guillemette? Voilà. Bobinette Guillemette est en plein amour parce qu'elle adore parler de ce sujet-là. Que de souvenirs, Guy Sanche et Christine Lamer. Oui, c'est ça. C'est vrai, pareil. Alors, là... Et spirituellement parlant? Bien, spirituellement parlant, c'est très important pour moi de vous en parler parce que je réalise que la société est un peu en déficit de spiritualité présentement. Alors, on performe, mais on oublie un peu l'intérieur. Moi, je vous disais, je veux rappeler aux parents qu'à la base, on est des êtres humains. Ça veut dire qu'on est des bébites conçues pour vivre des émotions et des expériences. C'est vrai. Alors, imaginez si vous enseignez ça très jeune à vos enfants. Ça aussi, gênez-vous pas de courir à la bibliothèque GGC, par exemple, où il y a plein de livres sur la spiritualité à ce niveau-là. Quand tu dis à ton enfant, « Oh, tu vis des émotions, et là, maman va t'aider à mettre de l'ordre là-dedans. » Moi, je t'accueille dans cette boule d'émotions-là. Puis ensemble, je vais t'écouter, je vais t'apaiser. Imaginez à long terme, il n'en fera pas de dépression, cet enfant-là. Il va être en santé. Tandis que si vous le punissez, si vous lui dites « c'est assez, pas de colère, tais-toi, ta-ta-ta, ta-ta-ta », l'enfant se referme et il emmagasine toutes ses émotions et oh là là, plus tard, lorsque ça va vouloir ressortir. En 10 secondes, on peut te suivre où? Bien, là, vous allez voir la chronique écrite de ça dans Estrie Plus qui sort ce vendredi. Voilà. Alors, vous allez pouvoir avoir encore plus de mots parce que, bien sûr, à l'écrit, on va parfois jusqu'à 1000 mots. Alors, on me suit là pour le moment. Et bien sûr, ma nouvelle compagnie, Être moi, en toute conscience, qui aide les parents à avoir une meilleure relation avec leurs enfants et avec eux-mêmes. Parce que n'oubliez pas, vos enfants sont connectés sur vos émotions aussi. Alors, petit ménage à faire là, belle occasion. Si vous voyez que vous n'êtes pas capable d'apaiser votre enfant, c'est que votre enfant intérieur à vous n'est pas apaisé. Belle occasion d'aller consulter, faire un petit ménage là-dedans.